السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسبيا في بس موعد فيو عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال غفر الله لنا ولكم نحن نو فا aujourd'hui avec une nouvelle lettre qui qui C'est une lettre qui est... C'est peut-être une leçon qui sera l'une, si ce n'est la plus technique de l'alphabet. Donc elle nécessitera quelques gymnastiques intellectuelles. Mais ce n'est pas difficile, Inch'Allah. Ce n'est pas difficile. Donc la Hamza, ce petit signe-là, cette petite virgule comme cela, c'est une lettre... Qui s'écrit de manière différente avec des supports différents, comme en dessous, comme ici. Elle peut s'écrire avec un waouh avec un avec avec un ya comme ça qui n'a pas de point en bas, avec un elif comme ça avant un in fatha Et la hamza, elle s'annexe à toutes les voyelles comme avec les autres lettres et les prolongations. Et on la prononcera uniquement On prononcera uniquement les voyelles qui sont annexées à cette lettre. Tout simplement parce qu'elle n'a pas de consonne. Elle ne contient pas de consonne. Donc lorsqu'il y aura une fetha qui sera positionnée sur la hamza, on dira a. Une kasra, on dira ou. Une damma ou. Etc. Avec les autres les autres harakets, les autres accents. Donc il y aura deux leçons. Il y aura la hamza en elle-même. Avec ses déclinaisons et sa manière de se prononcer. Et il y aura la Hamza tul wasl C'est une règle qui est de, une règle de liaison, de jonction. C'est une Hamza qu'on voit ici juste avant un lem, toujours avant un lem. C'est une Hamza, une lettre muette qu'on ne prononcera pas. C'est uniquement pour faire la liaison entre deux mots. Un mot qui viendra avant le elif ou le l'em, avant la hamza et le lem, et qu'on annexer tout de suite le mot au lem directement. Il y aura des exemples ci-dessous, Inch'Allah. Ce sera compréhensible. Donc le la hamza ici, qui s'écrit comme ça, de la sorte, avec un elif, on prononcera E, eh, tout simplement. Pourquoi Parce que la hamza, comme on a dit, on, la, on prononcera toujours les voyelles. Donc quel que soit le support avec lequel elle est écrite, on prononcera seulement la voyelle qui est en rouge, celle qui est positionnée au-dessus de la hamza ou en dessous de la hamza, comme ici avec la kasra, parce que la kasra s'écrit en dessous. Donc la hamza viendra se coller à la kasra, viendra toujours se coller aux accents, Donc quel que soit le support avec lequel laquelle elle est annexée, on prononcera uniquement la voyelle lorsqu'on l'identifiera dans un mot. Comme ici, a, elle est écrite sur un alif, on dira a. Ici on dira I. Ici un, tel ou une Parce qu'on prononce uniquement les voyelles. Ici on dira un aussi. Même s'il y a ce signe en bas là. Nous ce qui nous importe c'est uniquement la hamza qui est annexée avec l'accent. Donc c'est simple. On prononce uniquement les voyelles. Ici on prononcera un comme ici un. C'est juste qu'elle s'écrit de manière différente. Donc ici, un, a, a, in, n. Donc voilà la hamza qui s'écrit avec des supports différents. Et quel que soit son, son support, elle se prononce de la même manière avec toujours les voyelles qui sont au-dessus ou en-dessous en elle. Peu importe les supports avec lesquels elle est annexée. Donc la hamza s'accroche ça, ça aussi, s'annexe aussi, se prononce aussi avec les prolongations. Donc lorsqu'on voudra prolonger la hamza avec le elif, on dira euh, et ça s'écrira comme cela. Avec une vague comme ça sur le elif. Euh, donc la hamza va se transformer en, en vague comme cela. Ici on dira ou. Donc la hamza qui n'a pas d'accent. On a vu que quand la lettre n'a pas d'accent comme ici, c'est qu'il y a forcément une prolongation qui vient après. Donc ou i a ou i donc voilà la hamza avec les prolongations. Donc la hamza ici avec des mots la hamza suivie d'un ya donc on dira comme ici le alif qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit la prolongation donc ne pas confondre la, à ne pas confondre la Hamza et le Alif. La Hamza a toujours ce petit signe là, au-dessus au -dessus ou en-dessous. Ici, on a la Hamza avec une Soukoun. Donc là, c'est inédit par rapport à ce qu'on a vu. Donc on va tout simplement bloquer la lettre, sécher la lettre. On dira ra Rasun. ra On viendra faire un blocage comme ça. Parce que la, la, la Hamza n'est pas une consonne. On prononce uniquement les voyelles. Donc on fera un arrêt. Rasun. Donc elle peut s'attacher, elle peut se détacher. Ce qui importe, c'est qu'on sait la prononcer quand on la voit dans un mot. Peu importe si elle s'attache, si elle s'écrit comme ceci, si elle s'écrit comme cela, ou, ou autre parmi ses déclinaisons. Ce qui est important, c'est qu'on sache la lire. Et qu'on sait que quand on voit ces petites, ce petit signe-là, peu importe le support, on prononcera la voyelle uniquement ici donc une phrase akala donc la hamza avec une fatha akala asadun akala asadun encore la hamza avec une fatha akala asadun lahman akala asadun lahman le lion a mangé de la viande akala asadun lahman tanwin fatha sur le alif Soukoun sur le ha. Et ça, c'est un lem, pas une hamza. Pas une hamza. Sinon, il y aurait eu le petit, la petite hamza, le petit signe. Ici, la hamza, avec la dhamma, donc ce sera ou. C'est comme s'il y avait la voyelle uniquement en, en véralité. Donc, ouk, soukoun sur le kef. Oukrima. Rima. Oukrima. Ri, Oukrima. Donc là, on a le mot suivant et on a cette fameuse règle. Qui est très importante en réalité à savoir, comme la Hamza et, et comme ce qui l'entoure. C'est très récurrent et fréquent dans le Coran et dans l'arabe. Donc c'est important de savoir la Hamza et son utilité. La Hamza, ici, c'est une Hamza ou un Elif. Parce qu'on dit Elif ou El-Lem. Al Elif est le Lem. Elle n'a aucun accent ici. C'est tout simplement qu'on ne va pas la prononcer et le lem a une secoune après. Donc pour pouvoir l'utilité de cette hamza qui est fait que qui fait que elle n'a pas d'accent, elle est muette, c'est-à-dire qu'on viendra annexer le mot le mot précédent et sa dernière lettre et sa dernière voyelle directement avec le lem, tout simplement, directement avec le lem. Donc c'est une hamza qui ne se prononcera pas. Ukrim al hadjou, ukrim al sur le jim, donc on intensifie la lettre comme on a vu. Donc on viendra directement lier, joindre le mime avec le lem soukoun et la hamza ici sera muette. C'est ce qu'on appelle hamza wasl, ce qu'on a vu au début. Ici, on commencera avec une hamzatul wasl, une hamza muette. Mais juste après, il y a une soukoun sur le lem. Donc, c'est impossible de pouvoir prononcer comme on l'a prononcé ici parce qu'on a, a fait la liaison ici. Ici, on fait la liaison avec quoi Avec rien. Parce que c'est une nouvelle phrase. On ne peut pas faire de liaison avec un mot précédent. Donc, ce qu'on va faire, toujours, c'est que lorsqu'il y a un elif ou un lem ou une hamza, un lem. C'est qu'on viendra mettre une fête à toujours. On dira elle. Elle. On tombe sur la le lem et sa soukoun. Elle. On commencera le mot, on commencera la phrase comme ceci. Elle. Ici, on dira pas ma al-hajj. Non, on dira ukrimal al-hajj. Oukrima hajj Parce qu'il y a un mot qui vient précéder le lem avec la soukoun et la hamza wasl ici. Elle est muette. Mais ici, elle est muette. Mais on ne peut pas faire de liaison parce qu'il n'y a pas de mot précédent. Donc on dira elle. Tout Simplement, il y a juste ça à retenir. El birou. Donc, là, on a encore une hamza qui s'écrit comme ça au milieu du mot avec une soukoun. Donc, ce qu'on sait, c'est que on fera comme ici la hamza avec une soukoun. On fait un blocage. Si ça avait été une fête, on aurait dit un, eh, une cassera, i, une dama ou, mais là, c'est une soukoun. Donc, on fera un blocage comme on l'a fait ici. Donc, on commence le mot elle la pro la la la. Pardon, la hamza on va lui donner, on va lui imposer une fatha parce qu'on doit commencer le mot avec elle parce qu'il n'y a pas de mot qui vient, il n'y a pas de mot avec, laquelle, avec lequel on peut lier le mot précédent, donc on dira elle, elle biro, elle biro, donc on a un blocage sur la hamza ici parce que c'est une soukoun. Donc en vrai c'est juste qu'il faut automatiser sa lecture avec la hamza et peu importe sa manière de s'écrire avec les supports. On, la, on prononcera uniquement la voyelle. Et il y a la hamza, hamza wasl la hamza muette, la hamza de liaison. Ça, c'est une règle apparente, à part entière. Une règle à part. Ici, mim, mim fatha, mim soukoun, a soukoun ou memlu hamza, qui est écrit comme ça ici, isolé, peu importe qu'elle soit attachée ou. Ouais. On sait que c'est une hamza donc on prononcera la voyelle. Memlou Etoun, Memlou Etoun, le tamarbuta qu'on a vu dans, le, dans une des leçons. Memlou Etoun, Bilmaï. i. Donc là on va décortiquer, on a un b avec une kasra. et on a ici une hamza wasl. et non pas un alif. On dira pas bah pourquoi on ne dira pas bah parce que tout simplement le bas, sous le bas il y a une kasra s'il n'y avait pas eu de kasra on, on aurait dit bah, mais il y a une kasra donc ça montre qu'ici ce n'est pas un Alif c'est forcément hamzatul wasl et on a une deuxième preuve que c'est hamzatul wasl et non pas un elif c'est que le lem après elle après cette hamza c'est que le lem a une Soukoun et la hamzatul wasl comme ici, comme ici, a toujours un lem avec une soukoun. Donc on dira Bilma'i, bilma'i, la bistou, la bistou, la soukoun sur le sin, la Donc là on a un mot avec, une, avec un accent Hamzatul Wasl, on annule la prononciation parce qu'il n'y a aucun accent ni en dessous, ni au dessus ni en dessous on a le lem sukun donc on fait la liaison ça c'est hamzat al la hamza de la liaison donc on fera une liaison avec les deux mots la bistul la bistoul jubba shedda sur le ba avec une fatha jubba jubba donc on intensifie le ba la bistoul jubba masa'an Messen, donc là c'est une hamza avec un tanwin fatha donc on prononce uniquement le tanwin fatha la hamza on prononcera toujours uniquement l'accent qui est positionné sur elle ou en dessous d'elle donc là on a la hamza prolongée avec le alif prolongé donc alif prolongation et ici la hamza prolongation Kasarati. Kasarati l'kouousou. Kouousse. Ka, donc la hamzat al-wasr, on a un mot avant avec une kasra. On fera tout de suite la liaison avec le lem. Hamzat al-wasr, muet. La hamza, le alif aussi, on peut appeler le hamza, la hamza ou le alif, muet. Kasarati l'ouousse. ou l'ouousse. Donc là, c'est une hamza, pas d'accent. Donc, on se pose la question, on ne prononcera pas d'accent. Donc, forcément, pas d'accent. Comme ici, pas d'accent sur le mime, forcément, une prolongation après. Donc, la hamza ici qui est positionnée sur un Wow La hamza, elle est positionnée sur un, un Wow Et ensuite, il y a un Wow après elle. Comme on avait vu ici. Ou. Donc vous voyez, ça peut s'écrire écrire comme cela aussi. Elle peut s'écrire aussi sur un waw. Donc par contre pas d'accent, mais un waw après. Donc une prolongation. On prononce le waw. Elle ou coussè, pardon. Kassaratil t il Donc voilà pour la hamza. Donc n'hésitez pas à relire, relire et répéter. Donc la hamza, ça c'est tout simplement pour vous dire que la hamza peut s'écrire comme ça au début du mot. Elle s'écrit comme ça au début du mot, soit comme ci, soit comme ça, soit comme ça. Au milieu du mot, elle peut s'écrire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elle a plein de déclinaisons. Donc, c'est juste à apprendre et à assimiler. À la fin du mot, elle peut s'écrire comme ça, sur un alif, sur un ya, sur un waouh ou toute seule. Ce qui nous importe, c'est qu'on prononcera uniquement la voyelle qui sera positionnée au-dessus ou en, en dessous de la hamza, quelle que soit sa façon de s'écrire dans le mot. Au début d'un mot, le hamza ou la hamza s'écrit toujours avec un alif comme support. Au milieu ou à la fin d'un mot, le support change selon le cas et peut même disparaître. Donc ça, c'est en fonction du mot qu'on aura. Tant qu'on sait le lire, c'est le plus important. Le reste, ce n'est pas très important. La hamza ou le hamza de l'article alif ou l'em, le alif et le lem, ou la hamza et le lem, selon votre choix ne se prononce qu'en début de phrase et ne s'écrit pas c'est un hamza tol wasl donc ça c'est la hamza wasl donc si c'est difficilement compréhensible on se suffit à ce qu'on a dit et la règle de hamza qui wasl celle qui devient muette pour pouvoir faire la liaison entre deux mots et la hamza la hamza initiale qui s'écrit de plusieurs formes avec plusieurs supports akala asadoun akala asadoun donc, la Hamza ici avec une Fatha, on prononce juste les voyelles. Ou Krima, on prononce juste la Dhamma, juste la Fatha, juste les voyelles à chaque fois. Ou Krima, bi ru Donc là, on, je dis El Bil. Pourquoi Parce qu'il y a un point, il n'y a pas de mot avant. Donc, on a dit que lorsque il y a une Hamza tout toute seule, en départ de mot ou en départ de phrase, on mettra une Fatha. On dira El, al El, al alif ou Lem. El, al le Alif et le Lem. Le Alif et le Lem. Le avec la soukoun. El ro Ici la hamza. Qui est écrit ici. Avec son petit signe. Reconnaissable toujours avec son petit signe. Et la soukoun par-dessus. El biro Donc on fait un blocage lorsqu'elle est annexée à une soukoun. Memlou etoun. Memlou etoun. Bilma'i. Donc là. Ça peut être perturbant. Parce que. On a, on, on a l'impression que c'est un elif prolonger mais non, tout simplement parce qu'il y a une casserole juste avant. On ne verra jamais de prolongation précédée à, par une voyelle. À chaque fois, on l'a dit. Chaque fois, quand il y a une, une lettre qui est exempt d'accent, c'est qu'il y a forcément une prolongation là. Il y a une prolongation avant, donc c'est forcément Hamzat al-Wasl. Et en plus, pro, ça, c'est la première preuve. Et la deuxième preuve, c'est qu'après Hamzat al-Wasl, il y a Lem avec la soucoune toujours. Donc bilmai, on fait une liaison bilmā'i pas d'accent rien du tout qui est annexé à hamzat al-wasl donc on fera forcément une liaison entre la lettre ou le mot la lettre ou le mot avec le lemme directement Bil-Mai. donc voilà pour la hamza qui est un peu technique peut-être un peu problématique au début mais avec pardon mais avec de l'assimilation et de la répétition Vous y arriverez sans aucun doute. بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك